les loulous. J'espère que ça va pour vous. J'espère que ça va pour vous. Je suis en train de dépioter un saumon en même temps que je vous parle. Voilà. La fille... Et la fille se bat. La fille n'a aucun respect et je n'ai plus de tupperware. Oh, ça va me gonfler cette histoire, ça va me gonfler. Je sais pas si vous m'avez entendu. Bref, je dépiote du saumon pendant que je vous parle. Les gars, il est 22h. C'est la première fois que vous me voyez cette semaine. Et voilà. Et voilà. J'ai quelques petites choses à vous montrer. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Dont un livre. D'ailleurs, je vais vous mettre le passage avec le livre tout de suite. Maintenant, tout de suite, même si je vais le filmer après. Oh là là, je vais avoir du montage. Donc, on se retrouve tout de suite avec le livre que je vais vous présenter. Et ensuite, on retourne dans le vlog classique. A tout de suite. Est-ce qu'on aime faire des placements de produits avec une tête dégueulasse? J'ai été contactée il y a pas mal de temps, mais avec les vacances, tout ça, par une personne qui a écrit un livre et qui m'a proposé si je voulais recevoir son livre pour en parler en vidéo. J'ai fait carrément, allons-y. Vu qu'en ce moment je lis des petits livres, voilà, allons-y, c'est parfait. Ça, je trouve ça super cool. Donc du coup, j'ai reçu le livre au travail, on adore, et du coup, je le trouve trop mignon. Je trouve ça trop mignon de comment je l'ai reçu. Je trouve ça trop chouette, franchement. Nickel. Vous aurez en barre de description toutes les informations. Ça sent, j'allais dire, ça sent bon, mais non, ça sent rien de particulier. Mais franchement, c'est trop joli. Alors, j'espère que la personne ne m'en voudra pas, que je sois complètement à l'arrache. Mais d'un côté, je pense que si elle m'a proposé cette collaboration, c'est qu'elle a vu mes vidéos et qu'elle a vu un peu comment j'étais en mode nature peinture. Donc, je vais ouvrir ce livre, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Ah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Je voulais vous dire que toutes les infos seront en barre de description par rapport à ce livre. Et comme d'habitude, je vous en parlerai, comme à la fin de cette vidéo, je vous parlerai de la fin du livre que j'ai fini. J'allais dire enfin, mais non, j'ai lu assez rapidement. C'est trop joli. Franchement, j'aime trop. Cette personne a fait plusieurs livres, au moins 3. Oh, c'est trop choupi. C'est trop choupi. Trop choupi. J'ai un marque-page. Franchement, c'est trop chou. Trop mignon. Merci beaucoup. Je kiffe. Hop. Il est comme ça. Il s'appelle Obsession Mortelle. Oh, il y a même ça. Oh, j'adore. Bonjour. Toute rencontre renferme une part de mystère qui nous échappe et une part de concret qui nous appartient. Rien n'arrive sans l'assentiment de l'univers. Si notre rencontre littéraire est sous le signe des étoiles, alors elle sera mémorable pour vous et pour moi. C'est trop mignon. Merci encore, mais j'ai rien fait du tout. Recevez tout mon respect. C'est adorable. Je kiffe ce marque-page, mais c'est adorable. Merci beaucoup. Cette personne s'appelle, j'espère que je ne vais pas écorcher le mot parce que je suis pas très très douée, peut-être douée pour ça. Yenega Elias Caboret. J'espère que la personne ne m'en voudra pas. Je vais vous lire le synopsis. C'est écrit assez petit. J'espère qu'on va s'en sortir. Il y a 311 pages. Je vais vous lire le dernier mot. Alors des fois je me fais spoiler, mais c'est toujours ma tradition. Le mot est endurer. Le dernier mot est endurer. Qui a donné l'ordre de kidnapper et de tuer Andrea? Que vient faire un journaliste canadien dans cette affaire? Faut-il y voir un lien avec le meurtre barbare de la mère d'Andrea 25 ans plus tôt? Pour éviter le drame qui menace la famille d'Andrea, le lieutenant Todd sait qu'il faut trouver très vite le lien qui relie ces deux affaires. Déjà 3 meurtres, j'adore. Déjà 3 meurtres et 2 enlèvements, mais toujours pas de piste sérieuse, tandis que l'ombre du redoutable et mortel Lachesi Mutus
plane sur ses futures victimes, que va faire Todd. Arrivera-t-il à déjouer le plan diabolique du meurtrier? Obsession mortelle, second roman de Yenega, nous transporte dans l'univers inquiétant de la captivité sur fond d'une sombre histoire politico-financière. L'auteur y fait revivre les thèmes qui, à la manière d'une Madeleine de Proust, lui rappelle le frisson et les joies de l'enfance lorsque sa mère, aujourd'hui disparue, partageait avec elle son intarissable goût pour les romans de la lecture. On va voir ça. On va voir ce que ça va donner. Du coup, voilà, j'ai bien fait de finir mon livre actuel. Et on va lire ça. On va lire ça. Je vous en parlerai au fil de ma lecture. Et ouais, j'aime bien faire ça. J'aime bien aussi faire ça. Ouais, je sais, je suis très particulière. Ça, ce sera mon marque-page. Et ça, ce sera également mon petit marque-page. Franchement, c'est trop mignon. Trop mignon. C'est trop choupignon. Les loulous. Je vous l'ai déjà dit, je vous en parlerai. Désolée, je suis fatiguée. Je remercie beaucoup cette personne de m'avoir contactée pour que je parle de son livre. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Et je trouve ça super cool. Voilà, ça change. Ça change des aspirateurs. J'ai envie de vous dire, ça change des aspirateurs. Et je trouve que le packaging est trop mignon. Voilà, je trouve que le packaging est trop mignon. Et si je peux aider à donner un petit peu de la visibilité à des autrices, et ben, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et son enveloppe est trop mignonne aussi. Je vais pas vous la montrer, mais il y a mon nom et tout, tu vois. Mais je trouve ça trop chouette. Je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop choupi. Et je trouve ça ouf d'avoir créé un bouquin. Je trouve ça ouf. Bref, on en reparlera. Je vous remercie beaucoup de m'avoir envoyé ce livre et j'ai hâte de le lire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de me plonger dans cette aventure. Ça, je trouve ça vraiment mignon. Allez, je vous retrouve avec la suite de ce vlog. Ça y est, je vous ai présenté le livre. On va voir ce que ça va donner. Bien sûr, je vous en parlerai dans mes vlogs à faire, à suivre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pourquoi je suis aussi à la bourre dans le vlog? Tout simplement parce que j'avais pas grand chose à raconter. Et en fait, c'est marrant, mais depuis... alors je pense que tout est un petit peu lié. Et là on va parler franchement, hein, vous me suivez depuis, pour certaines depuis très très longtemps. Vous suivez mes péripéties, mes machins, mes trucs, tout ça. Et félicitations à moi, j'ai réussi depuis un an que je galère pour essayer de racheter la maison, tout ça. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec, petite évolution, j'ai rendez-vous avec ma banquière téléphoniquement mercredi pour faire la désolidarisation du crédit. Et le papa des enfants a bien parlé aux enfants et tout ça. Et c'est super cool, franchement, on a des enfants en or parce qu'ils nous disent « Maman, c'est quand papa va voir sa maison, j'ai hâte d'avoir ma chambre et tout, tu vois. » Donc c'est super cool. Alors après, bien sûr, hein, c'est que le début et je me doute que certains moments vont être difficiles, mais voilà, c'est cool, ça fait du bien, ça fait du bien. Et il va visiter un appartement bientôt, donc c'est cool, ça avance. Et ce qui a avancé de fou, en fait, je vous en ai pas parlé, parce qu'il y en a qui aiment pas quand je parle d'argent et tout, mais d'un côté, voilà, ça me... je parle de ce que je veux, c'est ma chaîne, comme beaucoup diront. C'est que ça y est, j'ai réussi à atteindre mon objectif que je m'étais fixé pour pouvoir faire un minimum d'emprunt à la banque. Et voilà, donc je suis grave contente parce que depuis un an, ouais, on y est, hein, depuis un an que je me dis que je vais me séparer, depuis un an que je me dis qu'il faut que je mette des sous de côté, que voilà, que ça va être ric-rac, tout ça, et que j'ai envie de joindre les deux bouts, et que je me fais pas trop plaisir, et que je vends plein de trucs sur Vinted, d'ailleurs, merci beaucoup. Voilà, parce que faut le dire, hein, j'essaye de faire avec ce que je peux, c'est-à-dire ma chaîne YouTube pour avoir un complément de revenus, des collaborations, tout ça, faire bien sûr des économies, voilà, plein de choses. Et du coup, bah ça y est, j'ai réussi à atteindre mon objectif, donc je suis très contente parce que du coup, ce que je vous avais pas dit en fait, c'est que je vais pas vous dire du comment, mais... ce que je vous avais pas dit, c'est que à chaque fois j'arrive à rentrer 100 balles sur un compte bancaire, bah du coup derrière ma porte, dans ma chambre d'amis, il y a
Il y a les comptes en fait, je suis en train de faire des comptes, des mois. Et voilà, j'ai réussi, donc ça fait grave plaisir. Et ça y est, le... Bah toute, pas la pression, mais ouais, on va dire la pression, toute cette charge mentale, on va dire ça, et le côté de pas se faire plaisir, est-ce que je vais y arriver, nanani, et bah voilà, il est en train de retomber, même si tout n'est pas encore fait. Mais voilà, c'est en train de retomber et ça fait du bien parce que je vous avouerai que j'ai pas mal galéré. et voilà, ça y est, j'ai réussi. Tout n'est pas fait, hein, bien sûr. Hein. Après, on aura quand même une maison là, je suis en train de me stresser. Alors, je suis en train de me dire, faut que je me dépêche parce que faut que je fasse le vlog. Mais en fait, le vlog, je suis en train de le faire. Mais voilà, toute cette pression va redescendre. Même si, comme j'étais en train de vous le dire, tout n'est pas fait. On a encore une maison à s'occuper, des gamins à nourrir, tout ça. Tout en se faisant plaisir parce qu'une vie, si tu te fais pas plaisir, à quoi ça sert? C'est bien d'avoir une baraque, Mais si tu manges que des pâtes et si tu peux pas faire kiffer tes enfants, ça sert un peu à rien. Donc voilà, en ce moment, en tout cas, c'est cool. Là, ça y est, du coup, vous emballez pas non plus, hein. Mais les sous qui rentrent, c'est des sous pour moi de mettre de côté de moi et pas pour acheter la maison, même si je sais très bien, dans tous les cas, le fait que je mette des sous de côté, c'est pour acheter ma baraque. C'est quand même pour moi, faut pas se le cacher. Même si c'est pas que je m'estime pas du tout être lésée ni quoi que ce soit, mais le prix que je rachète la maison à mon ex, c'est ce qui est totalement normal, tu vas me dire, mais c'est le prix à laquelle elle a été estimée et c'est pas le prix que j'aurais dépensé si je l'avais acheté il y a 7 ans, tu vois un peu l'idée. Bon, normal, ça évolue, mais voilà, ça fait un peu yesh. je sais pas si vous pouvez comprendre, et j'ai pas envie qu'il y ait des mauvais commentaires comme souvent quand je parle d'argent et tout, mais voilà, ça fait toujours yesh de se dire. Alors c'est marrant parce que j'en avais parlé à des collègues de travail quand j'envoyais mes colis Vinted pendant la post-taf et que je disais ouais, je suis désolée, j'ai un colis Vinted à déposer pour 2,50€, je suis désolée de faire une petite pause pour mon colis Vinted. Voilà, c'est, mais faut que je gagne des sous pour payer la maison à mon ex. Il me dit mais en fait tu prends le problème à l'inverse, hein, t'es en train de te payer ta maison, t'es pas en train de la payer à ton ex. Donc voilà, donc j'ai conscience de ça, mais c'est un peu compliqué de se mettre un peu dans cet état d'esprit, d'esprit là. Bref, ça c'est fait. Donc ça y est. Donc je suis grave contente. Et depuis ce moment-là, alors ce moment est arrivé à peu près le moment où. Depuis un an que je mettais des mois derrière ma chambre, le moment il est arrivé pendant que j'étais en vacances, là où j'ai eu un virement d'une collaboration, et ça y est, j'étais à zéro. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pendant un an, je pense que vous vous rendez compte, mais pendant un an j'étais en train de faire des calculs, des machins, des bordels. Et là voilà, j'étais arrivée à zéro, donc grosse charge mentale qui descend. Et depuis ce jour, je me sens un peu différente, c'est-à-dire que je suis en train de me dire qu'il faut que je me reconcentre maintenant sur moi-même, que j'arrête d'essayer de chercher des trucs à droite à gauche, des machins, des trucs. Pour tout vous dire, je me suis inscrite pas mal de temps sur une application de rencontre. Je parle avec des gens, il y en a que j'ai rencontrés, mais en fait ça me saoule vite. Et puis tu sais, c'est du style quand la personne veut plus de toi tu la veux, et en fait nanana, c'est de la merde. Parce qu'en fait je me rends compte que en ce moment j'ai pas en... Alors bien sûr je suis en manque de câlins, tout ça, quand je vous parle de câlins, c'est des câlins, c'est pas des câlins, mais il faut avant tout que pas que, alors je vais me laver les mains, pas que je m'auto-suffise, mais que je me pose un peu en fait, que je me pose un peu et que j'arrête d'essayer de me trouver une... Attendez. Hop. Je vais tuer le son. J'ai envie de laver un truc en même temps, j'espère que ça va pas trop faire de bruit. Je vais vous prendre là. Hop. J'ai la deux super voir en même temps. Ouais. Donc je disais qu'il faut que j'essaye de...
pas d'essayer de dire ouais ça va pas, c'est quoi la solution, ouais faudrait que tu trouves pas un mec non plus parce que j'ai pas envie de ça, mais pas un sex friend non plus, mais tu vois un peu l'idée. Mais en fait non j'ai pas besoin, faut que là je m'aime moi. Et alors c'est pas du tout faut que je m'aime moi avant d'aimer quelqu'un d'autre, hein, c'est qu'il faut que je me, pas que je me reconstruise non plus, mais qu'il faut que je pense à moi en fait, voilà, tout simplement, et qu'il faut que je pense à moi, qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête avec les gens qui me parlent chinois, qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête avec des gens qui n'en volent pas la peine, qui n'ont pas réglé leurs soucis, leurs machins, leurs trucs, qui vont t'embrouiller le cerveau. Alors franchement ça va, je suis pas... Je m'embrouille pas trop le cerveau, mais alors, faut que j'arrête ça, ça sert à rien. Et là en fait faut juste que je me reconcentre sur moi-même, que je souffle en fait, que je souffle tout simplement, que j'arrête de me dire que je dois des comptes à des gens, des machins, des « Ah, t'as pas répondu, machin, eh, c'est bon ». Voilà, que je me la joue un peu solo, parce que honnêtement j'en ai un peu ras-le-pompon. Même si c'est par phase, mais voilà, j'en ai un petit peu ras-le-pompon. Et tout ça pour dire, alors c'est un peu, c'est pas le bordel dans ma tête, mais c'est dur à expliquer un peu tout ce que je ressens. Mais voilà, j'ai, comment dire, pendant ces un an, j'ai perdu, enfin c'est à cause de moi, hein, mais voilà, j'ai perdu, j'ai plus trop d'amis, déjà j'en ai pas beaucoup, mais j'ai plus trop d'amis, je me suis un peu renfermée sur moi-même, j'ai loupé entre guillemets peut-être un mec ou je sais pas quoi parce que j'avais pas le temps, parce que fallait que je tape, parce que fallait que je fasse des montages, des machins, des trucs, voilà, j'ai loupé des occasions, que ce soit pas des occasions amoureuses, mais des occasions... je sais pas, de divertissement on va dire, voilà, que ce soit avec des amis ou que ce soit avec des garçons. Et en fait il faut, voilà, que là je me rends compte du sacrifice, mais un peu de la, c'est pas vraiment une connerie non plus, parce que il fallait que j'arrive à cet objectif là qui a été fait, mine de rien, il est fait, hein, j'ai perdu ou je n'ai pas vécu ce que je devais vivre, mais c'est très le bordel dans ma tête, hein. Mais voilà, maintenant il faut que je passe à autre chose, que je me focus sur moi et que je kiffe un peu ma vie, voilà, que je prenne ce qu'il y a à prendre sans me poser 40 000 questions. Et le fait que je vais plus avoir cette épée Damoclès par rapport au côté financier et tout, il faut que je me démerde en fait, il faut que je kiffe ma vie, il faut pas que je me prenne la tête et que je pense à moi. Et donc c'est ce que je fais en fait depuis le début des vacances, c'est que déjà tous les gens qui me parlaient, j'arrête de leur parler parce qu'en fait ça me saoule, j'ai pas envie de parler avec des gens en fait, honnêtement ça me gave. J'ai envie de rester focus sur moi, j'ai fini un bouquin, je vais vous montrer. Ah c'est pas du tout, on est trop chaud. Je suis en train de faire des petites gamelles comme ceci avec du saumon et des perles de lait. Des perles de... je sais pas quoi, mais c'est pas du tout encore froid. Donc je vais laisser ça comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que t'étais en train de dire, la pioute? Oui! Que je me pose. Voilà, si j'ai pas envie de répondre à des messages, je réponds pas à des messages. Que je me dise qu'il faut sortir un peu plus quand j'ai envie de sortir, mais pas pour me forcer à sortir. Mais surtout, ce que j'ai envie, en fait, c'est d'être posée. Donc, là, tu vois, depuis une petite semaine, le soir, mon train-train, c'est pas les montages YouTube, les machins, les trucs, vas-y, mets des trucs sur Vinted, nanana, c'est fais du tri dans ta maison, non, c'est juste me pose dans ma chambre avec mon bouquin que j'ai fini. Je regarde une petite série des familles et je suis bien, tu vois, et je suis bien. Et attention, les gars, vous allez pas le croire, Mais je me suis inscrite à la salle de sport. Oui madame, oui monsieur. C'est pour ça que je suis habillée comme ça. C'est pour ça que je suis habillée en mode Toto YouTube. Regardez-moi. Toto YouTube. Je me suis inscrite à la salle de sport.
Un collègue à moi, alors attendez, je vais vous prendre, je vais vous enlever du trépied. Attention, vous allez avoir la tête qui tourne. Attendez, attendez, attendez. Hop là, c'est bon. Donc je disais qu'il y a un collègue à moi avec qui je travaille et avec qui d'ailleurs je fais du covoiturage. Ah, j'ai ça à monter aussi. Hop, avec qui je fais du covoiturage, qui habite juste à côté de chez moi, qui est à la salle de sport depuis pas mal de temps. Et en fait, on monte en même temps. Je sais, il y en a qui m'ont dit, oui, c'est chiant quand tu bouges la caméra. À un moment donné, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, Georgette. Hop, et donc du coup, je m'étais dit que si j'avais pas ma mutation, que je n'ai pas eu, ben, je m'inscrirais à la salle de sport avec lui. Comme ça, les 30 balles que je mets dans la salle de sport, bah, ce sera moins cher que les sous que je mettrais dans... Que les sous que je mettrais dans l'essence si je faisais pas de covoiturage avec lui. Tu vois un petit peu l'idée. Et donc du coup, je me suis inscrite à la salle de sport depuis 4 jours. J'y suis allée une première fois avec mon collègue et j'y suis allée, j'ai tellement faim. J'ai tellement plein de choses à faire. Et j'y suis allée toute seule aujourd'hui, samedi, pendant que le papa et les enfants étaient un anniversaire. Donc je suis allée à la salle de sport. J'ai fait, alors la première fois du coup j'y suis avec mon pote, on a fait quelques, moi je suis nulle à ça, j'avais tellement l'impression d'être un éléphant dans un, pas un éléphant par rapport au poids, mais un éléphant dans un magasin de porcelaine, j'osais pas regarder les gens, j'osais rien faire. Et ce qui est bien en fait, je me suis inscrite à la salle fitness park, j'ai payé 35, je paye 35€, c'est un abonnement d'un an, et du coup, que je voulais dire, moi j'avais trop peur, tu vois, j'avais trop peur quand en allant à la salle de sport, et que des bombasses, que des mecs bien gaulés et tout, et que je suis en mode, mais pauvre meuf, qu'est-ce que tu fais là? Regarde-toi, tu vois. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce que il y a de tout, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens bien foutus, il y a des gens bien costauds, il y a de tout, et c'est super, et c'est cool en fait, c'est grave cool. Alors je vous dis ça là comme ça, tu vois, je suis pas tombée sur le créneau, il y avait que les bonasses, tu vois, mais c'est cool, tu vois, c'est grave cool. J'avais très très peur de ça. Alors je suis toujours dans un magasin de porcelaine par rapport aux machines, aux machins, les trucs. Je suis avec mon pote, donc on a fait... Il était sur sa séance bras, donc on a fait l'exercice avec les bras. Et là, j'ai tellement mal au niveau des bras. Et aujourd'hui, j'y suis allée. Alors, j'ai fait après du vélo, enfin, du courir sur le tapis. Et aujourd'hui, j'y suis allée toute seule. Je me suis motivée. Et j'ai fait... j'ai mal au bras. Là, laisse tomber. Aujourd'hui, j'ai fait du tapis. Après j'ai essayé de j'étais comme ça devant les machines, je fais wow, comment ça fonctionne, du coup je regardais des tutos sur YouTube et tout. Je me suis dit mais il est où le gars qui va me dire alors je t'explique comment tu dois faire, non il y a personne. et du coup j'ai fait 4 machines différentes, genre la presse machin truc bidule, j'ai fait un exercice où j'étais comme ça, j'ai fait je crois que j'ai trop mal fait. Ah la choum. Et du coup après, parce que mon pote il m'avait dit faut que tu fasses 300 calories. Après j'ai fait du montée de marche, un espèce de... Je vous emmènerai avec moi à la salle de sport. Mais c'est un mini escalator en fait, un mini escalator de marche. Et bah oui, un escalator, je crois que c'est que des marches. Un mini escalator. Et ce qui est cool avec les machines en fait, c'est que tu choisis tes programmes et tout. Donc là on était parti pour 20 minutes. Et voilà. Donc... On va... Et ensuite j'ai fait un espèce de vélo un peu allongé pour atteindre mes 300 calories que j'avais promis de faire à mon pote. Voilà, donc c'est cool. On y retourne mardi. Du coup ce qui est bien c'est que ce qu'on fait c'est que je garde ma voiture à côté de la salle de sport. Ensuite il me prend et on part au taf. Et ensuite bah, quand on revient on va à la salle de sport, tu vois. Donc c'est cool, ça me fait à peu près... ça me fait à peu près pas faire... je dirais 60 km sans ma de trajet, tu vois, par jour. Parce que oui, j'ai 80 bornes pour aller-retour pour aller au taf. Donc voilà, donc c'est cool. Donc là dans l'autre, voilà, le fait de faire ça, d'aller à la salle de sport avec lui. Sachant que quand j'irai pas à la salle de sport, je ferai quand même du covoiturage avec lui en laissant la voiture à la salle de sport. Parce que c'est un endroit parfait au final. Et des fois il viendra me chercher, des fois j'irai le chercher, tout ça. Mais voilà, je me dis que
Au début, j'étais réticente parce que je me disais, j'ai pas d'argent. C'est trop chiant, c'est genre trop le truc, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. C'était le truc pendant toute cette année-là. Et donc, du coup, je me suis dit qu'au final, voilà, je vais largement économiser 35 euros en faisant du covoiturage avec lui. Et en plus, je vais me faire du bien. Donc voilà, salle de sport. Pourquoi salle de sport? Moi qui déteste, enfin je sais pas que je déteste ce genre de choses, mais c'est pas du tout mon délire. C'est pas, j'ai 40 ans, je me suis jamais inscrit à la salle de sport quoi. Et c'est pas mon délire de faire déjà de faire du sport et de faire du sport avec des machines et tout, c'est pas du tout mon truc. Mais je me dis que là voilà, faut vraiment que je me bouge le coquillage. Non pas pour une histoire de poids, comme je l'ai déjà dit, mais pour une histoire que je me sens pas bien. Que je me sens pas bien à l'intérieur de mon corps, que je voilà, je me sens pas tonique, pas machin, pas truc. Tout ça. Et que voilà. Donc on verra ça. Je trouve que c'est une assez bonne nouvelle. Pourquoi j'ai encore mon micro? Ah ouais, j'ai enregistré un retour de course. Donc voilà. On verra ça. Je vous donnerai les évolutions par rapport au poids, par rapport à ma morphologie. De toute façon, ma morphologie, vous la verrez dans mes différentes vidéos. Mon objectif, attention Mireille, mon objectif serait déjà de me sentir plus tonique, j'ai tellement mal ici, laisse tomber. Plus tonique, ce serait bien sûr de perdre un peu de graillou, tu vois, de graillou au niveau du ventre en fait, d'avoir un peu plus le ventre plat, on va dire, parce que j'ai tendance à avoir mon ventre qui va grossir d'un coup, des fois on sait pas pourquoi, mais voilà, d'avoir un peu plus le ventre plat. Et au niveau des fesses qui font carrément alors attention, hein, je veux pas avoir le corps d'une bodybuildeuse et d'avoir des bras comme ça, hein, voilà, mais au niveau de mes fesses qui font carrément qui sont là mais qui font, voilà, là qui seront tellement plates, et ben de les remonter un peu. Alors après, je vois pas, je veux pas avoir le cul de je sais pas quoi, mais voilà, c'est mon ventre, il me c'est surtout qu'il est très 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 mou en fait, tu vois, et c'est chiant. Encore je l'aime bien, mais il est vraiment tout mou, tu vois, c'est tout mou. Donc voilà, c'est ça qui me dérange un peu, c'est le fait d'être molle, mais regardez-moi ça, je crois peut-être la liposuction. Je sais pas. Mais c'est super mou, voilà. Regardez-moi ça. Oui, bah t'as le corps d'une femme qui a accouché, ça va les excuses. Hein. Ça va. Donc voilà, et j'aimerais faire ça sans perdre ma poitrine, que je trouve très très bien, que je trouve magnifique. Donc voilà, ça ne va pas, ça ne va pas être possible. Mais voilà un petit peu l'idée. Et peut-être d'un côté, le fait de faire des machines va me permettre de garder quand même un peu ma poitrine, alors que faisant des exercices justement tchic, plutôt que de faire juste un régime strict où tu perds de partout. Voilà, et c'est un peu stylé de dire je vais à la salle. Ouais, ça y est, j'y suis. La fille, elle s'emballe, elle y allait que deux jours, et dans trois semaines elle n'y ira plus jamais de sa vie, tu vois. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je me suis fait un petit plaisir à 44 euros. Un petit plaisir à 44 euros. Je me suis acheté, je vous avais montré quand j'étais en vacances. Hop, on se met là. J'avais acheté les produits de cette marque-là. Et donc, du coup, j'ai pris le masque. J'ai pas pris exactement le même que j'avais pris sur Amazon. Masque capillaire réparateur. Voilà. Voilà, j'ai pris celui-là. Pour information, c'est un... je sais pas combien de... 250 ml. Il en faut vraiment pas beaucoup. Il en faut vraiment pas beaucoup. Mais voilà, 44 euros. Ça fait très très mal au fessard. J'ai pas regardé s'il y avait des réductions et autres. J'ai acheté directement à Sephora pendant ma pause. Voilà, j'ai acheté le gros format. Je me dis, c'est quoi ce truc? Je voulais vous parler d'un autre... La caméra n'est pas du tout à mon avantage. Je voulais vous parler d'autre chose qui est juste trop bon. Ça fait genre un mois que je l'ai et que à chaque fois je vous en parle pas. J'ai trouvé ceci à Truffaut. C'est de la marque Pierrot Gourmand. Vous savez, les sucettes Pierrot Gourmand. Et ça, c'est juste trop bon. C'est 4,99€. Et c'est juste excellent. C'est des petits sachets comme ceci. C'est des bonbons tout mou. Mais c'est genre trop bon. C'est délicieux. Mes deux enfants ont aimé. Et c'est pas le bonbon sucré de ouf, naninana. C'est super bon. Il y a saveur grenadine, saveur fruit du dragon et saveur yumberry. Je sais pas du tout ce que c'est. Je
pas du tout ce que c'est, mais c'est très 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 bon. Ça ressemble un petit peu, non je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est excellent. Arôme naturel, couleur d'origine naturelle. Je déteste ce mot d'origine naturelle parce que tout est d'origine naturelle. On va pas aller chercher les choses sur la planète Mars pour le moment. Mais voilà, c'est très 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 bon. Faut que je planque, sinon mes enfants vont me le bouffer, même si voilà, on essaye de faire attention. J'ai envie de garder mes petits plaisirs quand même. Donc voilà. Je voulais vous dire quoi d'autre aussi. Voilà, j'ai pas parlé pendant une semaine, mais j'ai des choses à vous dire. Je voulais vous dire quoi d'autre? Je voulais vous dire que j'ai reçu encore un aspirateur. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Parce que là j'ai pas le temps et il y en a certains qui vont dire. Déjà c'est juste que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et j'ai pas envie qu'on dise que je fais une vidéo juste pour faire un placement de produit. J'ai surtout envie d'en parler correctement plutôt que de me presser. Je voulais vous dire aussi pour celles que ça intéresse que. Je vais mettre en vente mes palettes de maquillage. Ouais. Je me suis décidée. Alors faut encore, hop, chercher. Bon, le tabouret, la flemme. Faut que je passe une journée à les regarder et tout, à me dire est-ce que c'est une bonne idée. Mais oui, c'est une bonne idée, Pute. Hop, pour information, hop, c'est toute cette collection là. Hop. Il faut que je les mette en vente. Voilà, je les mettrai sur mon Vinted. Mon Vinted est en bas de description. Mais voilà, c'est la collection des princesses, tout ça. Faut juste que je les mate un petit peu avant de m'en séparer. Mais voilà, ça sert à rien, je les utilise pas. C'est juste une décoration. Et puis limite, ce que je fais, c'est que je vends le packaging primaire. Et enfin, je garde le packaging primaire. Et voilà, bref. Bref, voilà, je vais vendre ça. Un peu là, pour information, c'est jamais. Parce que c'est une jolie collection. Aujourd'hui, j'ai été à Action, j'ai été à la salle de sport et j'ai été chercher mes courses. Je viens de vous faire un retour de course des familles. Là, je vais me poser, je vais manger en regardant... Ah, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai fini mon livre. Je vais redescendre vous parler de mon livre que j'ai fini. Hop. Hop là, allez, on descend. Ah, je sais. On bouge encore beaucoup, il y en a qui vont se plaindre, tout ça. Hop là. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo, j'ai fait un haul Timu. Hop, c'est trop cool. Et hop là. Et c'est pas grave, si vous avez vu les photos, c'est bon. Et pourquoi je suis descendue comme ça, faut jante. Et dans le haul Timu, vous verrez que j'ai eu ceci. Hop, ce produit là. Et franchement la poubelle elle est dégueulasse, je l'aime pas du tout. Mais j'ai eu ceci et franchement c'est bien pratique, très 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 pratique pour ranger, hop, les choses. Donc je suis super contente de cet article là. Et ma banane fait un peu la gueule. Hop, je suis super contente. Voilà. Et le bouquin que j'ai fini, à jamais s'en sortir, il est dans mon sac de taf. Voilà, j'ai fini mon bouquin, je vous en avais déjà parlé, je l'ai fini. Et j'ai fini hier soir. Et je suis très contente, je suis très 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 contente. Donc si vous voyez ce bouquin, ce qu'on peut faire, parce que là en fait je dois le prêter à une collègue de taf, mais ce qu'on peut faire, bah, quand il me reviendra je vous en reparlerai, mais sinon envoyez-moi un mail et si vous intéresse je vous l'enverrai quand ma collègue de taf aura fini, parce que je vais pas relire des livres que j'ai déjà relus. Là j'ai du mal à lire. Donc voilà, éventuellement si vous intéresse, je pense que ça peut passer peut-être par la poste. Je sais pas. Bref, voilà, il est très 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 bien. Je vous en avais déjà parlé, je vais pas vous en reparler. C'est l'histoire, si je vous en parle. Grosso modo, c'est l'histoire d'un mec qui est accusé à tort d'avoir tué son meilleur ami. Et du coup, tu suis toutes ses aventures pendant 3 ans. Donc c'est assez... Ça s'est cool et à la fin tout le monde meurt. Je kiffe. Je rigole. Ça va toi? Ouais. Moi. Sur ce, les gars, je vais vous laisser là. Je crois que j'aurai plein d'autres choses à vous dire. Oui, je vais vous dire que là, je vais me poser devant une série qui s'appelle... C'est parfait, c'est totalement opportun. Ça s'appelle Faux Profil, c'est sur Netflix. Netflix, je n'arrive pas à le dire, c'est l'histoire d'une meuf qui tombe amoureuse d'un mec et en fait elle se rend compte que c'est un faux profil. C'est un peu un mélange de... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je ne saurais pas comment vous expliquer. Mais un petit peu de sexe dedans, et un petit peu d'amour, et
les machins, les trucs sont de ta Barbara, tout ça. J'aime bien. Le jelly canon. Donc voilà, je regarde ça en ce moment, ça me distrait, ça me fait du bien. Donc je suis tranquille posée. Et donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais manger devant ma série. Je vais prendre mon ordinateur, je vais prendre tout ça. Et quand j'aurai fini de manger, je ferai le petit montage des familles pour ce vlog. Parce qu'il est 22h21 et je n'ai absolument rien fait pour ce vlog. Et les gars, j'espère que vous avez aimé les petites nouvelles de la pioute. Voilà, pas de commentaires, pas que des, j'allais dire que des commentaires gentils, non, mais pas de commentaires en mode bébé. Je vous le redis à chaque fois, si vous n'aimez pas mon contenu, si vous n'aimez pas tout ce que je propose, il y a plein d'autres personnes que vous pouvez suivre. J'ai absolument pas besoin de haters, de machin, de conseils à la mort moelle-neuve, chacun a sa vie. Je vous fais des gros bisous. Le mot de fin sera livre et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau. J'ai parlé une demi-heure et tu la vois Marie là? Elle est relou, elle, hein? Elle est relou. Faut pas que je maigrisse trop parce que quand tu maigris, je trouve que tu fais plus vieille. Faut pas que je maigrisse trop. Donc je disais que le mot de fin était livre. Je vous fais des gros bisous les loulous. J'ai tellement mal. J'avais jamais eu mal là. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Et merci de me suivre. Merci à vous. Merci du fond du cœur parce que mine de rien, si j'ai réussi mon objectif, c'est aussi grâce à vous. C'est aussi grâce à vous. Je vous fais plein de bisous les loulous. J'ai tellement de choses à ranger. J'ai tellement de choses à faire. J'ai tellement pas de motivation. Des bisous et à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera.